Здравейте, приятели на Минутите на Европа, директно в ефира на телевизия Стара Загора. В нашите минути днес ще се върнем отново към темата за тероризма, за това, което се случи на 13 ноември в Париж. Не само за това, че това беше удар върху цялата демократична общност в света, и защото въпреки всичко народите в Европа се обединиха да покажат, че това няма да спре, тяхното развитие няма да спре защитата на чисто човешките ценности. Знаете, че в Париж се провежда световната конференция, посветена на борбата за промените в климата. Но и защото не се иска да обърнем внимание на това, което се случва в сърцето на Европа, нещо, което много световни медии, много политици, много обикновени граждани акцентираха върху него. Именно, че хората позволили се да посегнат толкова, не бих казала дръзко, по-скоро грозно върху човешкия живот, върху демократичните ценности, върху нормалността. Всъщност, са родени и израснали именно в демократичните страни, Белгия и Франция, основателките на Европейския съюз. И всъщност от кадрите, които ще видим след малко, предоставени ни отново любезно от телевизията на Европейския парламент, става ясно, че до момента не се е стояло с кръстени ръце. Нали, това бяха част от обвиненията, какво до момента са направили тези правителства, тези държави и така нататък. Всъщност, много отдавна се говори за превенция на тази радикализация на младежите в рамките на Европа, именно на етническите малцинства, както сме приели да ги наричаме, за това какво трябва да се направи, как трябва да се направи, правилно ли е това, което се е правило до момента. Нека да видим интервюто с Рашида Дати, която е бивш министър на правосъдието във Франция, и да видим въпросите, които задават от нея не само хората от Франция, хората от Германия, също от целия Европейски съюз, във връзка с борбата с радикализацията. Prémonitoire, c'est ainsi que l'on pourrait qualifier l'interview que vous allez voir. Elle a été réalisée deux jours avant les attentats de Paris. Comment faire face à la radicalisation et au recrutement de citoyens européens par des organisations terroristes? À l'initiative de l'eurodéputée Rachida Dati, le débat est ouvert de longue date au Parlement européen. Dans son rapport, la réponse est sans équivoque. Il faut plus de collaboration et de coordination entre les États membres. Nous lui avons présenté les questions de différents acteurs sur le terrain. Rachida Dati, le nombre est impressionnant. Plus de 5000 personnes, principalement des jeunes, sont parties en Syrie ou en Irak ces dernières années. Vous avez écrit un rapport sur le sujet. Ce rapport, nous l'avons envoyé à de nombreuses personnes qui l'ont lu et qui ont de nombreuses questions à vous poser. La première nous vient de France, du Conseil des musulmans de France. On l'écoute. Est-ce que ce n'est pas urgent que les États membres se penchent sur les manuels scolaires et revoir le savoir à transmettre aux générations futures qui sont destinées à vivre dans une période autre que la nôtre, pour lutter contre l'inculture religieuse, afin de lutter contre le choc des ignorances et transmettre un esprit critique plus développé. Comment l'Union européenne compte-t-elle construire sa politique commune afin de prévenir la jeunesse du radicalisme? Merci. La question est clairement celle de l'éducation. La question de l'éducation est forcément au centre et, de ce sujet grave et ce fléau qu'est la radicalisation. Il y a des écoles dans lesquelles on a des vraies difficultés sociales qui conduisent à ce qu'une partie de notre jeunesse ne s'identifie plus dans la nation à laquelle ils appartiennent, mais ils s'identifient par le plus petit dénominateur commun, qui parfois peut être la religion, et la religion dévoyée. Mais il faut aussi tenir compte, c'est là où c'est compliqué. Comme vous le savez, l'éducation est une souveraineté nationale. Voilà, et, j'allais y venir. Voilà. Comment est-ce que vous parlez d'Europe et chacun, d'éducation? Oui, mais chacun à son histoire. L'Angleterre n'a pas du tout la même approche des communautés que nous avons en France, par exemple, ou même l'Allemagne. Donc aujourd'hui, comment on prévient? On prévient par l'éducation, on prévient par la lutte contre les inégalités. Et donc chaque pays doit mener une politique d'abord de lutte contre les inégalités et d'abord à l'école. En France, les inégalités se sont creusées et aggravées à l'école. C'est quelque chose que vous voyez partout en Europe? Parce que la question... Bien sûr, parce que si vous voulez, le sujet, il est
il a été beaucoup social au départ. Alors chacun, nous pendant longtemps en Europe, nous avons été applaudis pour notre modèle d'intégration. Donc le sujet aujourd'hui, comme pendant très longtemps nous avons eu du mal à accepter de dire qu'une politique migratoire d'immigration doit être européenne, aujourd'hui une politique d'intégration doit être européenne. Alors on va revenir à cette question d'intégration avec une autre question. Je vous propose d'aller au Danemark, un pays qui a également été touché par le terrorisme, mais où l'approche est quelque peu différente, principalement par rapport à ceux qui reviennent. On écoute. In our work on de-radicalization, we see online radicalization as a major challenge. We know that intelligence services are looking over the internet, that websites are being closed and banned. In our schools, we try to teach youngsters how to behave and navigate safely on the internet, but still we see youngsters being radicalized through the internet. What would you do about that? Il pose le vrai problème. Vous savez, aujourd'hui, la radicalisation et le djihadisme se font par deux moyens. Ils se font par Internet ou en prison. Les adolescents se radicalisent majoritairement sur Internet ou dans les prisons. J'ai fait des propositions en ce sens. C'est de pouvoir responsabiliser pénalement les géants d'Internet. Parce qu'aujourd'hui, Internet ne peut pas se contenter de dire « moi, je suis uniquement un tuyau, je laisse passer tout ce qu'il faut ». Aujourd'hui, toutes les organisations djihadistes, toutes les organisations criminelles et terroristes passent par le net pour attirer, pour recruter. Mais comment voulez-vous responsabiliser le net ? Eh bien, sur le net, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez enlever un contenu. Regardez les ministères de l'Intérieur, je vois en France, ils peuvent demander à un géant d'Internet de retirer un contenu. Les géants du net ont une responsabilité. Mais quand on voit la masse d'informations qui passent par le net, justement des appels au djihad, oui, des vidéos qui sont souvent nettement mieux faites que tout ce qui est fait par les gouvernements sûr, en Europe. Bien sûr, c'est pour ça. Comment voulez-vous gérer cela pratiquement ? Les géants du net peuvent effectivement, aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent sur la diffusion de ces vidéos et de ces sites. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la publicité tout autour de cela. On en revient au problème plus fondamental, qui est une question d'un avocat qui est M. Martins, qui est avocat au pénal à Bruxelles. Sa question. Madame Dati, ne croyez-vous pas que pour cette prévention de déradicalisation, il faut d'abord traiter le problème géopolitique au Moyen-Orient, où, disons-le, depuis les interventions des Occidentaux, la situation est devenue totalement ingérable, et ce depuis plusieurs années. Alors, la question géopolitique, tout le monde la connaît, c'est bien pour ça que vous réagissez par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas raison de dire avant, enfin, on peut faire les deux choses en même temps, mais est-ce qu'il n'est pas grand temps de solutionner d'abord cette partie-là, cette question géopolitique ? Non, parce que toutes les questions sont liées. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir faire. Ce que je vous disais, lutter contre les inégalités, ça commence par quoi ? Par l'école. Et s'agissant du problème géopolitique, on a une responsabilité en Syrie, en Irak, en Afghanistan. On a une responsabilité, mais pas que nous. Et les pays du Golfe ont une responsabilité. Moi, je suis très attristé que les politiques européennes, notamment, et les récents politiques européens, n'attraient pas, par exemple, l'Arabie Saoudite, qui a une responsabilité, peut-être dans ce qui se passe dans le monde en ce moment. Alors, je reviens, c'est la dernière question. Les représentants des prisons en Grande-Bretagne nous ont envoyé juste leur point de vue, ce qu'ils appellent un statement par rapport à ce qu'ils veulent faire. We take the threat of radicalization very seriously and work with a range of organizations to provide intervention programs in prisons. We have measures in place to deal with radicalization, including moving offenders to other establishments, using segregation where necessary, and working with prison chaplains. As previously announced, the Secretary of State has commissioned a review to look at how we deal with the threat of extremism and radicalization in prisons. Alors pour eux, le problème est clairement en prison. Il y a un mot qui me choque, c'est la ségrégation en prison. Est-ce que c'est ça la solution, de tout simplement séparer tout le monde ? Non, ce n'est pas ce qu'on a retenu, nous, dans le rapport, pour avoir visité les établissements pénitentiaires concernés par ce phénomène de radicalisation. Si vous vous mettez à l'écart, vous pensez bien que les recruteurs vont éviter d'être mis à l'écart. Et dans ce cas-là, ils vont se fondre dans la masse pour mieux recruter. Donc le sujet, c'est de pouvoir circonscrire, c'est de mettre un peu à l'écart sans mettre à l'isolement. Ça permet quoi ? D'abord de voir le processus d'évolution, comment on évolue vers la radicalisation. Et ça nous donne des informations pour pouvoir lutter contre cela. Ça nous permet d'avoir du recueil d'informations sur des réseaux, par exemple. Puis ça permet aussi d'empêcher certains de tomber totalement dedans. Donc le fait, c'est ne pas de mettre à l'isolement, mais de mettre à l'écart. C'est pas pareil. Merci, Rachida. Merci. И така, след това видео става ясно, че отново, като един от най-надежните
подходи, механизми, не знам точно коя дума да употребя, всъщност е образованието. Работата още от ранна възраст, ранна детска възраст, още от началното училище стана ясно, че това бяха едни от първите отзвуци след атентатите, че всъщност системата, образователната система не си е свършила работата и не е помогнала на тези младежи да се интегрират по-добре в обществото. Аз си мисля, че да, правителствата имат много важна роля за интеграцията. В България интеграцията също е много сериозен проблем. Но мисля, че всички ние като граждани, като общество, като родители, като семейство, като учители, трябва да погледнем нашата отговорност, какво ние правим, за да живеем наистина по-добре, а не винаги да оставяме някакъв проблем да го реши държавата или общината или някоя институция. Ние самите сме държавата и ние самите трябва да поемем и отговорността за това да бъдем коректив на тази държава и за това да помогнем нещата да се случат по-добре, защото никой не е застрахован и ако си мислим, че ние нямаме отговорности, това просто не е така. Останете с програмата на телевизия Стара Загора, ще се видим отново следващия вторник.